Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors pour ceux qui connaissent SketchUp Mac 2016, 2017 ou SketchUp Free, en fin de compte, je vous montre un petit exemple que j'avais fait sur SketchUp Mac 2015, dans ce temps-là. Ça m'avait pris à peu près 800 heures pour faire cette vidéo, enfin pas cette vidéo, mais cette salle d'escalade, en fin de compte, qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, c'était pour vous montrer qu'on peut faire de très belles choses avec SketchUp en prenant beaucoup de temps. Tout ce que vous allez voir, c'est une vidéo qui dure à peu près 2 minutes, ça vous montre simplement qu'on peut s'amuser à tout faire avec SketchUp. Que ce soit 2017, 2016, SketchUp Free, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit d'avoir de la patience et beaucoup de travail, bien évidemment. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, toutes les créations des objets ont été faites sur SketchUp. J'avais fait un peu aussi de création sur Blender. Alors il faut savoir que je donne des cours à la fois sur Blender, pour ceux qui ne me connaissent pas, et sur SketchUp. Vous avez par exemple pour SketchUp Mac 2016 plus de 8h50 de vidéos sur le portail Udemy. Il suffit d'accéder à mon laboratoire sarpotous.eu, vous accédez aux différentes informations. Pour Blender, je donne des cours à la fois pour la version 219, on va dire 27X et 28, donc au cas où vous êtes intéressé. Il faut savoir aussi que toutes les textures, je les avais fait avec GIMP, et après je m'étais servi de iMovie pour mettre en place tout ça, puisque je travaille sur Mac. Voilà, tout simplement. Mais si vous voulez, avec beaucoup de méthodes et de travail, bon, il faut être un acharné, hein, parce que croyez-moi, quand j'étais à la salle d'escalade, au fait, un petit coucou à JB si tu regardes ma vidéo, parce que j'ai adoré ta salle et j'ai adoré travailler dans cette salle, à part tes fêtes. J'étais toujours en train de mesurer en fin de compte avec mon maître, un rapporteur, les angles et tout ça pour vraiment faire quelque chose à l'identique. Et croyez-moi, j'étais presque au millimètre près. Donc c'était vraiment intéressant de faire des objets à taille réelle, ce que je dis souvent à mes élèves, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de très concret et de très propre quand vous mettez ça dans ma scène. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.